Allô, ma copine? Oui, est-ce que tu as fait ce que le marabout nous a donné aujourd'hui là pour ton mari? Oui, c'est pour ça que je t'appelle, Au fait, je viens de mettre les jus d'abord. Donc, je voulais te demander, est-ce que je dois mettre 2 ou 3 fois? J'ai oublié ce que le marabout m'a dit. Attends, le marabout a bien expliqué. Il nous a dit de ne pas mettre beaucoup, de mettre juste un peu. Si tu mets beaucoup, ton mari va être fou, fou, fou amoureux de toi. Toi-même, tu vas avoir marre, hein? Donc, faut pas mettre beaucoup, hein? Il a dit si je mets beaucoup, mon mari sera fou, amoureux de moi. Ah ben oui, il faut mettre juste un peu là, pas beaucoup. Mais si c'est ça, moi je vais mettre beaucoup, hein. Je vais mettre beaucoup. Comme ça, il va devenir fou, 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 comme ça. Toi aussi, hein. Non, 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 arrête. C'est que le marabout t'a dit, il faut respecter. Si tu te rappelles bien, il avait bien insisté sur ça. Il nous a rappelé, rappelé, rappelé. Il a répété ça 3 fois. Mais juste un petit. Faut pas mettre beaucoup. Il a bien rappelé ça plusieurs fois. Donc, fais comme il t'a dit. Sinon, tu vas avoir des conséquences. Hein. Conséquences comment? C'est les conséquences que je veux savoir. C'est être fou de moi, c'est pas ça? Ah, si tu... Oui, mais si tu abuses ainsi, deviens fou, fou, plus que fou que tu voulais pas, là. C'est toi qui vas assumer, hein. Moi, j'ai bien dit au marabout, je veux que mon mari soit fou de moi, fou dépassé même. Quand je dis chérie, je veux ça, il me donne. C'est ce que j'ai dit. Mais si le marabout me dit de mettre petit là, c'est-à-dire il sera fou de moi petit seulement. Mais si je mets beaucoup, il sera fou de moi beaucoup, tu vois? Il faut comprendre ça. Moi, j'ai trop souffert. Je suis avec lui. À chaque fois, il sort. Moi, je veux même pas qu'il mette pied dehors. Je veux juste quand je l'appelle, chérie, tu es là. À chaque moment que j'ai besoin de lui, il se présente. C'est ça que je veux. Mais si le marabout me dit de mettre juste petit là, moi j'aime pas petit. Moi je veux mettre beaucoup. Bon, je vais essayer. Okay. Comme tu es têtu là, ok, je te laisse faire. Mais quand les conséquences vont être graves là, ça va être dramatique là, il faut assumer ça là, faut pas m'appeler. Hein. Mais attends, attends, attends. Quand tu dis les conséquences vont être graves, quand ton mari est fou de toi, est-ce que c'est quelque chose de grave? Quand ton mari est fou. Ça veut dire que quand tu vas vouloir aller faire pipi, il va te suivre. Tu vas vouloir aller voir tes copines, il va te suivre. Tu vas vouloir faire ça, il va te suivre. Il ne va même pas te laisser respirer. Si c'est ce que tu veux, mets beaucoup. Ok, d'accord, d'accord. Si c'est ça, je vais mettre petit alors. Donc, si je mets beaucoup, c'est-à-dire partout j'irai, il va me suivre. Même si je vais aller à la toilette, il va me suivre. Même si je vais aller à la toilette, il va me suivre. Ah, le réseau aussi. Ah. C'est-à-dire, si je mets beaucoup, il sera fou amoureux de moi. Mais c'est bien. C'est bien. C'est ce que je veux même. Pourquoi il me dit mais juste un peu? Hein? On souffre pour avoir un mari. Et tu as un mari qui ne s'assoit même pas à la maison, tout le temps il est dehors. Maintenant j'ai trouvé la solution. Il me dit non, fais juste un peu. Je vais mettre tout. Oui, même s'il me suit jusqu'à la toilette, c'est pas grave. Même s'il me suit partout, c'est pas grave. Oui, 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 c'est ce que je veux. Thank you.
Chérie, viens, j'ai fini. Viens, on va manger. Viens, mon cœur. J'ai déjà fini. Tu sais que tu dois aller travailler, hein. Viens, on va manger. Ça va? Ça va. A changé vite la place comme ça. Non, je voulais assis à côté de toi. Yeah, chérie, pourquoi je t'aime? On mange, non? Oui, mais s'il te plaît, bébé, mon téléphone, j'attends un coup de fil, s'il te plaît. Mais on mange d'abord. Oui, non, je veux que ça soit à côté de moi. J'ai le téléphone très, très urgent, c'est mon patron qui doit appeler et je dois répondre. Comme je n'ai pas mis sous sonnette, c'est en vibré. S'il te plaît, bébé. Ah, ton patron doit t'appeler? Oui, le téléphone, ça vibre. Tout de suite maintenant? Oui, apporte, s'il te plaît. Bébé, on mange, non? Oui, apporte-moi ça, mon cœur, s'il te plaît. Du cœur. Oh, les gens veulent manger et puis tu me dis d'aller prendre ton téléphone. Je sais. Vas-y. C'est vraiment urgent? Oui, c'est urgent, s'il te plaît. Bébé? Oui. On dirait que ton patron t'a déjà appelé, hein? Je savais. Il y a un appel en absence. Mais on mange d'abord, laisse ça. Après, tu vas l'appeler. Oui. On mange ça. Je voulais te dire, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attends, je veux pas que quand tu manges ta bouche est dégueulasse comme ça. Merci. Yeah. Il faut être sympa. T'es trop mignon. Merci. J'aime approcher près de toi. Je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Attends. Okay. C'est bon. C'est bon. Tu vois, je mange le reste. Bébé, c'est quel comportement comme ça? Attends, je mange. Stia. Je vais t'amener demain. On m'a dit de venir avec toi. Bon, on va partir tous ensemble. Ça va? Moi. C'est pas grave. Tu t'aimes. Je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Mets ton pied à terre. Comment tu te comportes comme ça, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Faut manger. Qu'est-ce qu'il y a?
L'anisite, c'est très bon. Moi, ma main. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu manges? Non, je mange. C'est parce que tu as dit des mots quand même. Moi, ma main. Bébé, arrête de faire que je te mords ta main comme ça. C'est pas grave. Vas-y, manger, fini. Je vais porter le truc, je viens. Je viens tout seul, je prends ça, j'arrive. Non, ne m'inquiète pas. Je laisse. Je vais t'accompagner. C'est quoi? Non, c'est ma bouche. Tu as nettoyé. Attends. Non, c'est bon. Tu as aimé? Alors abonne-toi ici, comme ça tu vas pas rater plein de mes vidéos. Moi j'aime bien quand vous regardez toutes mes vidéos, ça me rend content. Donc abonne-toi ici, tu vois le bouton là, il est en bas.